Voilà, donc comme je vous l'avais dit, j'ai traversé la caverne de Gondwana, je me suis retrouvé là. Donc là, voilà. Hein. On continue le scénario principal. Voilà, donc on se retrouve au village de Swalan. Voilà. Swala, pardon, pas Swalan. Donc là on peut faire bourgeon apparemment. Donc voilà. Voyons voir. Bon bah ça sert à rien. Oui bon là il parle de tornade qui attaque les humains. Donc là, il va falloir garder l'inondation parce qu'il va y avoir un deuxième désert qui est moins chiant que le premier, si je me trompe pas. Donc là, voilà, faut passer par là pour aller récupérer le coffre ici. Qui contient une noix. Donc la noix. La défense est en 128, 102. Putain, autant que ça, la défense. Bonheur. Donc là ça sert à la fontaine de Tolbi mais je les utilise plus. Hein. Je vais peut-être les garder pour le 2 en fait. Je sais même pas ce que ça fait dans le 2, je m'en rappelle plus. Je me rappelle qu'il y avait une ville avec d'autres jeux aussi. Donc voilà. Donc le but là c'est d'entrer ici pour continuer le scénario. Donc là c'est une mystique de l'air qui essaie de repérer comment s'appelle Lemuria depuis le phare de Baby. Mais apparemment le groupe de Pavel, Salamandar d'Arthur tout le bordel, l'ont capturé. De l'eau pour arrêter les cyclones, voilà. Donc en fait faut utiliser une inondation, quoi. C'est un indice, hein. Bon, en vrai on peut pas, hein. Essayez pas de balancer des gouttes d'eau sur un cyclone, ça ne marchera pas. N'essayez pas chez vous. Ouais, ça marche un peu comme le désert, la forêt avec les singes, la forêt de Mogal. Il y a des petits singes et des grands singes, bah là c'est pareil, il y a des petits dinos souffles ou dinos brises, franchement. Ouais, il y a des petits dinos brises dans les petites tornades et à la fin il y a un gros boss. C'est un dino souffle. Donc là on touche à la fin du jeu, hein. Enfin c'est pas tout de suite. Il y a le désert, le phare. Enfin, la moitié du phare. Ensuite, il y a le comment. Donc, comment on doit y aller? Bon, on doit sortir de la ville, je pense. Ensuite, je vais aller faire la caverne des pirates, l'endroit le plus dur du jeu. Pour ensuite finir. Finir le phare et donc le jeu. Donc, là, il manque plus que le désert, caverne des pirates et phare. Le désert c'est plus rapide déjà. Donc, vous voyez l'espèce de
tornade. Donc on utilise inondation et on soit attaqué par un dinobrise. Bon. Merde, j'ai oublié d'enlever les trucs. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Je me demande si ça marche. Hein. Non, ça marche. Bon, genre, préfère faire Ragnarok. Pourquoi ils craignent l'eau, je pense. Ah non, même pas. Ouais, il a fait deux attaques en plus. Hein. Putain, le con. Moi, je suis obligé de... je suis condamné à faire ça. Hein. Donc ça, c'est les gros monstres, c'est pas grave, on dépasse. Je vais remettre les trucs là. Voilà. Donc un jean n'a pas loupé à la fin du désert aussi. Magicor. Ouais, c'est l'espèce de manticore magique. C'est même pas empoisonné, c'est infecté par du venin. Putain, j'ai Banzer, hein. Comment je les bourrine facile. Donc je mets une inondation raccourci. Donc voilà, c'est ça que je vais faire à la base. Hein. Donc là, c'est les trucs de vent, ils prennent la terre en fait. Il y a des conneries quand même pas loin. Ça, cette attaque, on peut la faire avec un job. Un mélange de d'eau et de vent. Il a deux attaques. Oh, j'y crois pas. Tout ça pour rien. Ça se fait chier. Putain, il reste un truc. Putain de merde, résistant. Hein. Ah bah, pas trop toi. Donc Sophie a monté un niveau et... ouais... on va pas repasser par là, ça sert à rien. Vlad et ses amis. Ouais... tant d'objets de passer par là. À la limite, ils sont marchands que les mimiques. Hein.
Il donne beaucoup d'XP en plus. Alors ouais. On a une initiative. Donc on va en profiter. Je le trouve bien faible dans ce désert quand même. Peut-être un niveau trop haut, je crois. Ah voilà, vous avez 10 petits à coup. Très pratique. J'hésite. Allez, je vais prendre celui-là. Loupé, c'est un coffre. Enfin, c'est à mon coffre, moi. Pas une mimique. Enfin, ça sera abusé de mimique dans le même truc. Hein. Ouh! Premier. Je savais même pas qu'on peut le faire sur eux. Enfin, ça marche pas sur les boss. Hein. Dommage. Enfin, sera trop. C'est pas drôle, le boss. Je vais même pas gagner trop facilement. Autant les combats normaux, ça me fait chier, autant les combats de boss, j'aime bien donc. Je préfère pas les gagner direct. Ah là, ça peut marcher. Vous voyez le truc rose, bah c'est le boss. Ah tiens, ça sent le... Ouais, je me disais aussi. Et voilà le gym. Donc oui, le boss, la tornade rose. Si on rentre dedans et qu'on se laisse faire et qu'on fait pas une inondation, on se retrouve sur l'île des pirates. Je vais pas le faire maintenant, je vais d'abord le boss. On revient et c'est pour ça que ce boss, on peut le rebattre indéfiniment en fait. Donc, non, d'or, je vais me sonner. Je mets pas le truc de feu vu que c'est un truc de feu. Enfin bon, il va pas tenir longtemps. Hein. Oh le con. Ah yes. Il n'y a plus que 4, je crois. 5. Et voilà le boss. Là j'ai une idée, je vais vous montrer que je peux aller à des pirates par là et je termine la vidéo ensuite, regardez. Ah si je fais pas inondation, j'attends. Et hop, je me retrouve là, une île qui n'est pas répertoriée sur la carte, voilà. Puisque c'est l'île des pirates. Et là, il y a une caverne à l'intérieur et voilà. Mais bon, c'est pas le moment, donc je reprends le truc.
On pouvait faire ça ou y aller par le bateau en changeant les rameurs. Donc voilà. La prochaine vidéo, vous inquiétez pas, je vais sauvegarder. Hein. Voilà. La prochaine vidéo, le boss de cet endroit. Et j'ai enfin rattrapé les 2h30 que j'avais loupé. Donc salut!